Ça y est. Oui, ça y est. Mais bon, allez. Bien, bien la photo. Bien. C'est bon. Bon. On ne mettra pas la couverture. Vous n'allez pas la regretter. Non, c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Bah, bah, alors, au revoir. Moi, j'ai cru qu'il allait soulever le cercueil. Allez, Fait chaud, hein. Tu tapes les gens, tu essayes de remarquer. Avouez que c'est confortable. Non, pas encore, on n'a pas mis la Merci beaucoup. C'est bien, t'as pris des photos, chouchou. Alors ce soir, c'était soirée gratuite d'essai. Demain, profitez-en, demain. C'est 5 euros pour l'essai du cercueil. Avec photo et tout, à volonté, hein, mais bon... Oh, je vais la passer sur Photoshop pour la ranger. Il faut remonter un peu. Ah oui, bien là. Voilà. On prenait pas froid. Et on croise pas les pieds, hein, ça se fait pas. Voilà, bien droit. Alors, toute la famille peut faire une prière. Vous avez pris votre wifi avec vous? Oui. Une petite prière. Vous êtes assez ressemblant. Nous dites hein, quand vous êtes prêts. C'est bon? Il est un peu pâle. Je sens que c'est un peu trop... Il prend la couleur du capitaine. Allez hop, c'est fini. La famille, on ferme. Alors, l'impression quand même. Je sais pas, c'est sympa. Hein. Mais il n'y a pas de musique, on se fait un peu chier. Ah non. C'est pas une boîte de nuit. On a prévu avec la musique. Ah ouais, avec des enceintes. C'est une boîte de nuit, ça. C'est dans l'avenir, ça, parce que bon... c'est une boîte de nuit. Arrivé, ça y est. C'est la plus belle tenue, hein, la plus belle tenue. Ah oui, puis non, ce qui est vraiment passé, ça, c'était... Voilà. On est bien. En plus, tout petit peu plus bas. Il faut baisser un peu. Oui, on fait un peu la tête, voilà. Voilà. Ah ouais, ça vous va bien. Proche sur là. Et on fait un tour après. Proche, alors, vous n'êtes pas superstitieuse? Non, mais j'ai des porte-clés en cercueil. Alors, je ne sais pas que ça va vous porter malheur. Non, on verra bien, on le saura plus tard. Bon, alors, et à demain. À demain. Bon, allez, rideau, on ferme. Voilà. On fait un tour? Ouais, on vient après. Et d'ailleurs, nous, ça c'est le repas, donc on s'en va, on vient. Alors, quel effet? C'était pas assez long, il aurait peut-être fallu ça dire plus longtemps. Ah oui, on n'avait pas remonté le rideau, c'est normal. Non, mais c'est... Vous n'êtes pas claustro? Un peu. Mais en fait, tout va bien. Ça va. Non, non, c'est un peu reposant. C'est vrai. On n'a pas 36 fois l'occasion, c'est vrai. Souriez pas. Ferme les yeux. Allez. Donc c'est la demi-étape. Ça on voit très bien. Tu m'oublies pas, hein? Non. Donne-moi le numéro de ta carte bleue. Et le testament est fait. Vous nous dites le nombre de temps que on ferme le cercle. C'est bon. On peut y aller? Je suis pas sûr. Au revoir. Allez, à demain. Bon, allez, je t'embrasse. Non, c'est bon. Attends, ça, tu viens de mijoter? C'est pas mal, hein? Ça va mieux, hein? Un peu, hein? J'ai pu donner un gâteau avant de fermer. Il a peut-être faim. Merci beaucoup. Ne t'inquiétez pas. Vous avez eu peur? Mais non. Non. C'est quand on rentre dans un scanner ou une IRM, c'est pareil. Bon, alors effectivement, si on veut vraiment bien faire, on couvre, on met la couverture jusqu'au bout. Mais là, bon. On enlève les lunettes, ça peut servir. On prend les photos. Ça se revend, ça. Voilà. Ah, il le fait bien. Et on ferme les yeux. La bouche aussi. Nous dites, hein. Ouais, ben ça va. Hein. Vous vous sentez prêt pour qu'on ferme le couvercle définitivement? Ah, tu vas mettre les lunettes, mon grand. Bon,
Bon, tu veux enlever tes lunettes, mon chéri? Mon grand, il l'a enlevé. Vous vous en débarrassez définitivement, donc c'est bon. C'est noté, nous fermons-le. Voilà, oui, fermez-le. Voilà. Bon, nous attendons votre autorisation pour ouvrir le Monsieur Fop. Alors là, c'est rapide, hein. Pourquoi c'est ouvert? Ah bon, attendez, on va refermer un petit coup. Je suis pas sûre qu'il aime, hein. Salut les gars, alors. C'est bon, ah, allez, on y va. Allez, allez. Votre frère est un vampire. Pourquoi tu es tout rouge? Ah, il aime. C'est pas vrai, croyez pas. Il y en a un qui va nous claquer comme ça, alors on va pas être mal. Le matelas, vous pouvez améliorer un tout petit peu. Hein. Ah oui, mais. Ouais, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais c'est pas forcément le cas. Non, mais remarquez, les clients se sont rarement. Mais personne s'en va. Ils ne se plaignent rarement. Ça peut arriver, oui, mais bon. On ne dit jamais au revoir, c'est ça? Oui, c'est bon? Je peux fermer. C'est bien, on va appuyer bien, il se met le rideau tout seul. Bon ben on revient demain. Hein ouais, mais j'écoute pas le problème, c'est qu'ils n'écoutent pas. C'est trop bien. C'est pas que j'écoute pas, mais ils ne sont pas entendre. Non mais servez-vous ce que j'en ai d'autres. Parce que quand on est chalin, il y a des gens. Non. En plus, ça a l'air tenu là, là-dessus. Bon, les derniers adieux sont faits. Ça y est, on a un horaire. Allez, on ferme. Non, non, les bras sont sous la couverture. Non, c'est comme ça. On rigole un peu. Bon, alors, eh ben, donc à demain. Voilà, à demain. Et on laisse ça. Bah si, on a dit à demain. Non, non, tranquille, pas. Mais en plaisant. Ça te va très bien. Il faudrait qu'on sache quel effet. Légèrement claustro. Ah oui, c'est comme les lampes solaires ou des trucs comme ça. Mais, non, mais c'est confort. Cool. J'aimerais bien. Mais essayez, bah essayez. Hein. Enfin, avant même. Allez-y, puis après. On peut essayer. Oui, oui, d'accord, j'aimerais bien aussi. Ouais, bah après, allez-y. Ce soir, c'est gratuit. D'accord, c'est bien. Ok. C'est vrai? D'accord. Autant en profiter alors. Moi, je suis très grande. Ah, oui, oui. C'est vraiment spécial. C'est intensif, toi. Oh, bah, nous. Oh, c'est bizarre. Oui, alors là, par exemple, il faudra un plus long. C'était un peu limite, là, je trouve qu'il est gros, hein. Il en fera presque un plus long. Non, avec une couverture et tout ce qu'on fait. Voilà. Et regardez le satin, hein. Mais si elle n'est pas bien, là, prenez des photos, hein, tant que... On ferme et puis on vous laisse le temps que... Elle a beaucoup d'apnée, beaucoup de trucs... Elle met la télé. Bizarrement, c'est super confortable. Eh bien, vous en demanderez. Hein. Donc, on doit mettre trop de droite. Oui, ouais, c'est trop bien. C'est vraiment très confortable. Tout le monde dit que c'est confortable. Donc, en fin de compte, par contre, pas assez grand. On peut mettre moins de watts. Oui, non, mais. Ah, je vais essayer. Je vais vas-y, Isa. Et il y a une majorité de femmes. C'est une majorité de femmes qui ont essayé. C'est ça qui. Oui, c'est pas mal, on est bien, on est doux, c'est moelleux. Voilà, c'est comme il faut. Allez, le rideau. On va vous mettre. Bon, et quand on ouvre, tu fais. Ah. Alors, les bras, c'est le vampire. On s'en va, voilà, les bras en croix dessous. Ah, voilà, voilà. Allez, hop, hop. Ah, bah oui. Alors attention, parce que là, je pense que c'est bon. On y va, ça y est, je vais mettre des tas de supporters, on va vous laisser plus longtemps. Je viens de te rendre compte comment ça va faire. C'est sûr. Bon, t'aimais bien. Vous nous dites les commentaires pendant ce temps-là, c'est pas grave. Ça va? Donc de l'intérieur, on peut l'ouvrir ou pas? Ah non, c'est scellé, c'est tout, on ne peut pas. Hein. D'accord.
C'est super cool. Non, je vais rester encore. C'est vrai, elle va pas regarder. Elle est en demande. Bah, tiens, on ferme. Allez, on demande. Et puis, on vient vous retrouver demain. Voilà. Je vais mettre une cloche quand même à l'intérieur. Okay, il y a du monde, ça bouge. Non, j'exagère pas quand même. Hein. Merci. Merci. Oui, mais après, comment ça... Ah ben, comment fois, le là... volume, chaque fois que vous descendez ou ouais, ça... c'est ça, ça descend. Oui, ça peut forcer, la même chose. Hein. Non. Moi, je suis arrivé à la conclusion, les mégalos, jamais ils viennent faire ça. Ah, ouais, c'est d'accord. Mais ouais, ça les réduit. Mais oui, parce que le gars qui... Meurt... Oui, parce qu'au départ, on pensait que ça allait être des célébrités, des mecs complètement avec des échos sur des missions. Pas du tout. C'est des gens matures. Ouais, tu peux pas avoir ça. C'est des gens matures par rapport à l'idée de leur propre mort. Et puis l'objet, là, il permet d'être confort avec ça. Mon collègue, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette écho ? Antoine, bonjour. Bonjour. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi ces crânes ? C'est une machine. C'est le vôtre ? Ouais, c'est le mien. Déjà, c'est le mien. Pile poil au dixième près. Il est pas très beau, hein ? Bah non, mais c'est pour ça qu'il y a de la peau autour. Expliquez-moi alors, vous faites quoi ? Nous, dans la vie, on est designer pour de vrai. Ouais. Et en fait, on a mis au point cette machine qui permet d'extraire son propre crâne. Ça marche comment ? Ça marche qu'on travaille à partir d'un scanner crânien. On met sa tête sous scanner alors ? Non, on va dans une clinique. Ouais. Vous faites faire un scanner pour vous, à mon avis, vous pourriez le faire pour cause de chirurgie esthétique par exemple. Merci. Et après, une fois qu'on a le scanner, on traite l'image avec un petit principe qu'on a mis au point et on le fait imprimer par des nouvelles technologies d'imprimante 3D. Et on obtient exactement, couche par couche, le crâne au 1/10. Ça sert à quoi ? C'est une vanité, ça sert à se dire qu'on est bien en vie, ça sert à faire un projet, ça sert à rencontrer des gens. Ouais. Ça coûte combien cette fantaisie ? Ça coûte 5 000 euros cette fantaisie, mais c'est comme les imprimantes. 5 000 euros ? 5 000 euros, ouais. Non, mais c'est une plaisanterie là. C'est pas cher, dit la dame. C'est pas cher. Parce qu'elle sait qu'une machine comme ça coûte 60 000 euros. Ben, on n'est plus le 1er avril là. Non, 5 000 euros, c'est vrai. Ouais, ouais. Et vous avez trouvé des gens pour mettre des barjots, il y en a. Ouais, des collectionneurs de vanité. Non, c'est pas des barjots. C'est des gens matures par rapport à l'idée de leur propre mort. On ne tombe pas sur des mégalos, on ne tombe pas sur des gens qui ont un ego surdimensionné. Parce qu'ils ont peur de ça. Ouais, ils ont peur de cette image-là. On tombe sur des gens qui sont matures par rapport à ça. Et ce n'est pas un crâne, hein, c'est un objet. Bon. C'est un objet qui a une fonction. Bon, on appelle ça un survenir. Bon, l'idée vous est venue comment en fait ? L'idée nous est venue quand on a rencontré dans notre métier de designer cette technologie et qu'on s'est dit en fait la technologie à chaque fois ça te permet d'ouvrir un champ que tu voyais pas, comme la photo la première fois que, ou ta caméra la première fois que quelqu'un s'est vu en train de bouger à l'écran, et ben, il a perçu quelque chose de lui-même qui était nouveau et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire percevoir de nouveau avec cette technologie, on est arrivé au crâne.
Qu'est-ce que vous faites de plus sérieux dans la vie? De plus sérieux. Mais c'est mais le salon de la mort. C'est peut-être le truc le plus sérieux qu'on fait. Sinon, on dessine des interrupteurs, des chaussures, ouais. La vaisselle, on fait des expos, des commissariats d'expos. Ouais. Voilà. Bon. Bah, merci. Hein. Merci beaucoup. Merci, chef. Vous avez l'air plus gay que votre crâne. Mon crâne, il fait un peu la gueule. C'est vrai qu'il est. Genre, j'ai les yeux qui tombent. Mais oui, c'est ça. En fait, pas du tout. Vous auriez envie d'avoir votre crâne ou pas? Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. C'est la télé. Ah bon, pourquoi? Non, par contre, tripoter le crâne des autres, ça vous dérange pas trop. Ouais, tripoter le crâne des autres, ça me va bien. Ouais, bah t'arrêtes. Bon, c'est du voyeurisme alors, hein. Vous faites du voyeurisme. Même du voyeurisme sur le crâne des autres. Hein.